Ouais, Ali, Ça va, frérot? c'est sûr que j'ai gagné pour les votes de la semaine dernière. Mais c'est impossible, frère. Mais frère, t'as fait un tacos. Vas-y, frère, c'est Les impossible. tacos, c'est valeur sûre, qu'est-ce que tu me parles? Ah non, non. Moi, je pense que j'ai une chance avec le truc de Ulrich, là. J'ai une chance. Flo, il arrive à donner les résultats tout de suite. Ah ouais, il a. Petit pouce vers le Oh! Mais t'es des Salut tout le monde, bienvenue, c'est la brigade des fast-foods qui est de retour avec mes brigadiers, mes amis, faites du bruit pour Isma de la brigade, Ali de la brigade et Salah de la brigade. Salah de la cuisine. Salah qui est habituellement l'homme qui nous filme. En ce moment, du coup, chômage technique, mais du coup, il se rattrape car Salah cuisine. Si vous avez vu le dernier épisode en date de la brigade des fast-food, c'est un épisode assez exceptionnel où chacun devait cuisiner un plat que nous avions aimé dans l'un des snacks qu'on avait testé depuis la rentrée. C'était à nous de les faire. Félicitations à toi, Salah. Et franchement, c'était un truc de fou. Alors, on a fait voter les gens et nous avons les résultats des votes. Et j'avoue que là, le résultat est sans appel. Alors, si vous n'avez pas vu déjà cette vidéo, allez la voir. Parce que franchement, elle est très sympa. Les brigadiers, franchement, les gars, vous m'avez vraiment bluffé. Je pensais pas que vous alliez vous donner autant sur le truc. Je pensais que vous alliez faire ça vite fait et tout. Et vous avez vraiment cuisiné maison et tout. Donc, moi, à côté, j'ai fait que de l'assemblage. Je suis passé pour le dernier des Mohicans. Mais vous, franchement, vous avez assuré. Bon, alors, il n'y a pas de suspense, hein. En tête des votes, c'est les internautes. Salut. Merci, merci à tous d'avoir voté pour moi, franchement c'est une victoire bien méritée. C'est pas toi, le numéro 1 c'est Salah. Les amis, franchement c'est mérité. C'est le... mérité. Si je vous donne le pourcentage, vous avez l'impression que c'est les élections dans une dictature. C'est les élections d'une dictature. 75% pour Salah. Ah ouais. 75%, ce qui fait que nous les gars, on est 3, on se partage les 25% restants. En fait, ça veut juste dire qu'il n'y a que nous-mêmes qui n'avons pas voté pour lui. Sinon toute la France a voté pour lui, même Macron. Numéro 2 quand même, respect à Ali, qui s'est tapé une petite quinzaine de pourcents, je crois. En numéro 3, Isma, mon petit brigadier. Et je remercie les 6 ou 7 personnes qui ont voté pour moi. Mais mon but, ça a toujours été de vous mettre en valeur, les amis. Donc voilà, j'ai pas. Ceci dit. C'est pour ça que t'as fait ça, oui, je comprends. Ceci dit. Alors aujourd'hui, on va changer la donne. Vous n'allez pas cuisiner, les amis. Je vais vous faire livrer à domicile chez vous et vous allez pouvoir ouvrir le paquet. C'est moi qui vais choisir ce que chacun de vous va manger. C'est pas mal. Sauf pour Salah, car il y a un gros problème. Salah habite en Seine-et-Marne depuis quelques mois. Et alors, je vais sur Deliveroo pour lui commander un truc. Je vois, nous ne couvrons pas encore cette zone de livraison. C'est grave. Je suis allé chez Uber Eats après. Il y a juste, genre, tu sais, une pizzeria de province là. Il y a rien. Oh là là. Chez Salah, il y a rien. Donc du coup, Salah va cuisiner et on vous montrera ça dans l'épisode de la semaine prochaine. Et du coup, comme il faut une revanche, moi-même, je vais cuisiner. Et donc la semaine prochaine, ce sera un battle Salah contre moi. Oh là là, les montagnes. Ceci dit. Le fight. Sachez qu'il y a une polémique. Je suis bon joueur, j'ai accepté la victoire de Salah sans aucun souci, vous l'avez remarqué depuis le début. Mais j'ai des preuves accablantes sur ce qu'était réellement le plat confectionné par Salah. Un burger entièrement maison, pain maison, 100%. Frites maison, même le steak il l'a façonné. Ça avait l'air trop bon. D'ailleurs, tout le monde a dit ça a l'air trop bon et c'est pour ça que les gens ont voté pour lui. Mais j'ai ici sur mon téléphone la copie d'écran d'une discussion sur le groupe WhatsApp La Brigade en date du 9 avril. Les dossiers. On n'a rien à cacher aux gens, je peux montrer nos discussions, hein, les brigadiers. Ouais. Oui. Nous avons. Ne montre pas tout quand même, on est d'accord. Et nous avons tout le monde qui félicite Salah parce qu'on est quand même bon joueur dans l'équipe. Et d'un seul coup, nous avons Salah qui dit « Moi, je suis sûr que ton plat Ali était meilleur que mon burger. » Fairplay. Ali, c'est fair play. Ali reste modeste. Après avoir dit « Moi aussi, j'en suis sûr, MDR. » Il dit « Mais sérieux, rien que visuellement, ton burger, ton pain était waouh. » Jusqu'à là, tout, pour l'instant, tout se passe bien. Réponse de Salah. Je cite. Ça fait plaisir. Le pain était ouf. Après, le burger en soi, moyen. C'est ça là qu'il a dit. C'est vrai, c'est vrai.
Mais après, attends. C'est ça là qui m'a attends. Hey, attends, Florian, dis pas ça à Ali, il va demander la marque. Moi, je demande un nouveau référendum. Un nouveau référendum. Nous allons refaire le scrutin, monsieur dame. Après avoir il faut annuler le scrutin. Non, je suis pas d'accord avec ça. Le burger, il était moyen. Il était bon, mais franchement, le plat d'Ali, par exemple, je pense qu'en goût, il était meilleur que mon burger, et j'en suis quasiment sûr même. Parce que la préparation d'Ali, franchement, c'était quelque chose aussi. Hein. Écoutez les gars, de toute façon, quand on pourra enfin se revoir, on pourra enfin se faire goûter chacun de nos plats, et là, on aura un vrai avis, mais en tout cas, un grand bravo à Salah, car c'est lui le gagnant. Bon, les gars, on en est où des livraisons, là? C'est arrivé chez Isma? Ouais, c'est arrivé. Ok, Ali, c'est arrivé? Oui. Génial. Yes. Alors, chacun... Alors, vous ne savez, c'est moi qui ai commandé. Je vous ai demandé vos adresses. J'ai regardé ce qu'il y avait et j'ai essayé de vous faire tester des fast-food. Il y en a un que je connais, un que je ne connais pas. J'espère pour toi que c'est pas le hot dog, hein. Alors, j'ai hésité à faire une blague à Isma parce que vous avez vu dans la vidéo qu'on avait tournée à Lille que Isma a un gros problème avec le hot dog. Je me suis dit non, quand même, il faut manger, il faut pas gâcher. Donc voilà. Après, je sais pas si tu vas aimer ou pas. Isma, je te laisse ouvrir le sac que tu as reçu de la part du livreur. Ton livreur s'appelait Malek. Dédicace à tous les livreurs qui travaillent en ce moment. Mais quoi, y a rien de drôle. Planète Pizza. Planète Pizza. Ah bon, mais j'ai pas commandé de pizza. J'ai pas commandé de pizza. Planète Pizza. Je te promets, j'ai pas commandé là. Comment on a touché. Ah bon, là, ça. Ah non, à mon avis, ils déclinent. Ah ouais, à mon avis, ils ont Planète Pizza, ils ont fait un autre truc autour. Ok. Boursin CK. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais que derrière vos écrans, vous demandez qu'est-ce qui peut bien se passer. Boursin CK. En tout cas, il y a une odeur, il y a une odeur qui se dégage de cette boîte. Ce lingot d'or, d'argent, je dirais même. Oh, le gratin, voilà. Là, oh, c'est un gratin allez, au boursin. Ça mais a l'air terrible. Alors, la générosité de notre patron n'a pas de limite. En plus d'avoir cette boîte, il y a un deuxième lingot d'argent. Oh, ah ouais. Kebab. Kebab. Oh là là. La boîte du kebab. Ah non. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Ça a l'air ça m'a l'air bien samoureux, ça m'a l'air bien gratiné. Ah ouais. C'est un truc que j'ai trouvé tout à l'heure qui s'appelle Planète Gratin. Et en fait, ils font que des gratins en livraison, livraison de toutes sortes. Et j'ai choisi deux gratins pour mon brigadier. Paul. Le premier est le gratin en boursin. Alors, boursin. Chicken curry, pommes de terre, crème fraîche, mozzarella, boursin et chicken curry. Et le deuxième, c'est avec du kebab, de l'oignon et encore pommes de terre, crème fraîche et mozzarella. Oh là là. C'est terrible. Je peux me lancer pour le premier. Vas-y, lance-toi pour le débat. Ils ont fourni la fourchette? Ouais, mais c'est en plastique, elle est très fragile. Mais tu crois que vous allez te fournir de... Je pensais que vous allez fournir des fourchettes en inox. Et après, lave-les, rends-les. Non, t'as des fourchettes cartonnées, elles sont plus solides. Fourchette en plastique et fourchette en plastique. Dans la majorité des snacks, j'avoue, tu tapes dans le truc et t'as toujours une dent de la fourchette qui se casse immédiatement. C'est vrai, c'est vrai. Bon app, oh là là. La chance. Là, c'est celui au kebab que tu goûtes, là, Isma? Au curry. Avec une sauce boursin. Avec un K, ouais, c'est bien ça. Oh là là. C'est du bon curry. Franchement, c'est super bon. C'est vrai pour de vrai, parce que là, tu peux dire ce que tu veux, hein, c'est. Voilà. Ouais, voilà, c'est super bon, vraiment. Je me suis dit, tu vois, parce que j'ai défilé, il y avait plein de trucs pas très originaux. Je me suis dit, ça, Planète Gratin, on n'a encore jamais fait un fast-food avec du gratin. On aurait très bien pu aller chez eux directement, tu vois, en brigade. Ouais, c'est vrai, franchement, même le concept, il est bien. Ouais, ouais. Je goûte le kebab ou après? Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Oh, j'avais pas faim, maintenant j'ai la dalle. Et le pire, tu sais, c'est que moi, j'ai l'odeur de ça, là. Je vois le mec manger, tu vois, tu dis... Je préfère au curry. Le kebab, je sais pas si il est congelé ou... Bah en général, les kebabs comme ça sont pas faits maison. Tu sais. Ouais, enfin, ouais. Ils sont bien pas à la broche, hein. C'est le courage surgelé en général. Ouais, ça passe, mais je préfère le curry. Ouais. Ouais. En tout cas, merci infiniment, patron, pour cette surprise. Ça me fait grand plaisir. Ali, je te vois avec ton petit air narquois. Ouais, non, c'est pas ça, c'est que j'ai faim, quoi. Eh bah, vas-y. Normalement, toi, c'est assez mastoc. Hein. Pourtant, je t'ai pas pris la plus grosse taille, mais c'est un truc. Alors, toi, c'est un truc que je connais. Ok. Oh. Waouh. Ah ouais, c'est joli. Ah, tu t'es pas moqué de moi. Toi qui regardes souvent mes vidéos, est-ce que ça te rappelle quelque chose que tu as déjà vu dans mes vidéos, Ali? Bah, j'ai l'impression que oui. Attends. Ça serait pas une tourte?
C'est écrit ou pas dessus? C'est écrit pas. Ah, Bayou, Madame Tourte. Madame Tourte. J'avais fait ça. Bayou, oui. Et alors Bayou, c'est un humoriste et c'est aussi le cousin de Madame Tourte. C'est une vidéo que j'avais faite. Et franchement, j'avais kiffé. Elle fait des tourtes, mais alors à tout. Toi, je t'ai pris la tourte Bayou. À savoir que là-dedans, bah, tu vas trouver quand tu vas croquer. Tu veux... ah, bah, j'avoue, la vidéo, elle donne trop envie en plus, cette tourte. Oh, ouais. Franchement, là, tu sais quoi? À chaque fois, je me dis, bon, que j'y aille. Mais du coup, là, tu me donnes une bonne information, c'est qu'en fait, de chez moi, je peux aussi commander des tourtes. Ouais, ça livre chez toi. Oh, ouais. N'en dis pas plus. Ouais. Ah ouais. Genre, Ali, tu manges une tourte avec des couverts, toi. Moi, je non, je la coupe juste pour la plante. Alors, ça fume encore. Hein. Ça fume encore, bah, c'est récent. Alors, déjà d'ici, je vois de la viande hachée, de la pomme de terre ou frites, dira-t-on. Sauce algérienne, mais. Alors, c'est pas des nuggets, ça serait. On dirait des nuggets, mais c'est pas ça, donc ce serait du poulet pané. Ça, c'est que visuellement. Tape dedans, mange et on va voir. Là. Oh là 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 là. Eh, je me suis pas foutu de vous pour les deux, hein. J'ai essayé de faire des trucs que vous aviez encore jamais mangé avec dans mes vidéos. C'est pas trop sec, Ali, non? Maintenant, comme il y a un peu de sauce, c'est mieux. S'il n'y avait pas de sauce, ça aurait été limite catastrophique à la bouche. Mais sinon, très très bien. Avec la sauce. Comment tu sais que j'aime cette sauce? Là encore, j'ai les images. One, two, three, qui va l'Algérie? Eh ouais, voilà comment je sais. Attends, j'ai les cartouches. Donc dans ton truc, t'as viande hachée assaisonnée. C'est pas des nuggets de poulet, c'est du cordon bleu. Ah, parce que je suis au début du cordon bleu, je sais. Ah ouais, d'accord. Ta sauce algérienne et ta mozzarella. D'accord. Eh, pas mal ou pas? Ah ouais, là on voit bien le cordon. Et par contre, ça m'a l'air super balèze. Ou est-ce que c'est la vidéo, Ali? C'est comment au niveau de la taille? Non, c'est extrêmement énorme. Balèze. C'est un truc qui se mange sans frites, hein. C'est extrêmement gros. Genre, tu peux manger à deux presque, non? Limite, ouais, ça dépend. Ouais, des deux, mais ouais, à deux, oui, mais faut pas non plus partager ce genre de choses. Bon, bah régale-toi. Franchement, voilà, petite livraison surprise pour mes brigadiers aujourd'hui. Ah, franchement, tu les as gâtés, Florian, là. Merci. Bah, la tour et le gratin. J'aurais aimé faire pareil pour toi, Salah, mais t'as déménagé au mauvais moment. Ah, oui, j'avoue. Parce qu'avant, t'étais dans le 93, il y aurait eu plus de choses. T'imagines la différence? Ah ouais. Comme quoi, chers amis, c'est le Stéphane Plaza qui est en moi qui vous parle. Choisissez bien votre localisation de résidence aussi en fonction des restos qui livrent chez vous. Ça peut faire fluctuer le prix du loyer, ça. Mais brigadier, ça m'a fait très plaisir de vous voir aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous voir manger. La semaine prochaine, on se fait le battle Salah contre moi. Je peux te dire que là, je vais tout donner pour relever le niveau. Vous vouliez du maison Florian en air, vous allez avoir du maison Florian en air. Vous revoulez du Salah at home, vous allez avoir du Salah at home. Donc restez dans le secteur. Et on espère que Salah ne trichera pas. Ouais. Mais si ça se trouve, les mains qu'on voit dans la vidéo, c'est même pas ses mains. Là, c'est dur, je suis fort en montage, mais il y a des limites. Hein. Peut-être c'est même pas sa vraie tête, peut-être que tu vois ce que je veux dire ou pas. En tout cas, si vous voulez avoir les infos sur Madame Tourte et sur Planète Gratin, je vous mets les infos que je trouve sur internet dans la description. Les Instagram des brigadiers également, car si un jour nous pouvons ressortir et si un jour ils ont 10 000 abonnés chacun sur leurs Instagram, nous irons dans un restaurant. Étoilé. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Lerner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian. A plus, ciao les amis. Oh là là, mangez, j'aime vous voir. Mangez. Ah non, Madame Tour, c'est validé. Hein. Ouais, bagnolé, ouais. Alors, tu dis quoi, Florian?